Chauffeur, si t'es champion, appuie sur le champignon. Eh bah mon vieux, ça c'est ce que j'appelle mettre le pied au plancher. Eh bah regardez-moi voir ça, on n'est pas bien là, la mer est bleue, le ciel est bleu, il fait beau, l'eau est calme, pas de violence, c'est les vacances, en route mon Jean-Jean. Eh ouais, ça faisait très longtemps que j'étais pas retourné sur Strand Adip, alors ça aussi, j'en vois plein dans les commentaires. Vous êtes nombreux, nombreuses à me dire, ouais Jolat, à quand le retour de Strand Adip et tout. Et ben j'attendais qu'il y ait quelques mises à jour. Et puis ça tombe bien, il y a eu une grosse mise à jour il y a pas longtemps. Tiens mon vieux, par contre la mise à jour je sais pas ce qu'il a mon Jean-Jean, mais il peine un peu à avancer. Voilà, on y est. Allez, du calme, c'est bon. On descend, arrête-toi là. On va prendre notre petit radeau, on le monte sur la plage tranquillement. Et impeccable, pas de violence, c'est les vacances. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle, pour une toute nouvelle aventure sur Stranded Deep. Et regardez-moi ça, on commence. Mais il y a déjà un bugle. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je prends un bugle placé dans votre sac à dos. Appuyez sur table pour ouvrir votre sac à dos. Mon dieu, je viens d'appuyer sur table là. Waouh, j'ai cru que le jeu était cassé. Ah ouais mon gars, mais regardez ça, on a un beau bug. On a eu un beau bug avec ça, effectivement. Et oui, vous ne rêvez pas, nous voici de retour sur notre petite île. Ça fait très très longtemps que j'y ai pas joué et j'avais très très envie de le redémarrer. En attendant bien sûr le 7 mai pour notre grande aventure qu'on va débuter sur Scrap Mécanique. Et bien nous sommes partis pour une grande aventure également sur Stranded Deep. Donc les gars les filles, vous me bombardez la barre des likes sous la vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis vous vous abonnez parce que franchement il va y avoir une grande aventure, que ce soit sur Stranded Deep, que ce soit sur Scrap Mécanique, que ce soit sur plein d'autres jeux différents. Et regardez ça, on va tout de suite commencer, on va ramasser ce petit rocher. Des planches, mais c'est impeccable ça. Ça se cumule les rochers? Ah bah oui, bien sûr que ça se cumule. Voilà, on peut tout mettre dans notre sac. Donc déjà bien sûr, comme à l'accoutumée quand on démarre une partie de Stranded Deep, on fait toujours le tour de notre petite île bien sûr. Oh là, mais elle est magnifique cette petite fleur. Des bâtons. Alors aujourd'hui je vais vous annoncer une grande nouvelle et je pense que ça va faire plaisir à plusieurs d'entre vous, puisque la grande nouveauté de Stranded Deep, la grosse mise à jour, eh bien déjà c'est que le jeu vient tout juste de sortir sur toutes les consoles. Alors sur toutes les consoles, pas toutes, sur PS4 et Xbox. Mais franchement c'est déjà cool et regardez ça, on a déjà des noix de coco et tout mon gars. Oh je vais tellement me mettre bien. Bon bien sûr on va essayer de trouver Marie-Madeleine, elle doit très certainement être dans le coin, elle nous attend. Ah bah Marie-Madeleine elle est comme nous, elle est confinée sur son île, elle bouge pas. Bon elle se fait une petite attestation de temps en temps pour première nécessité histoire d'aller pêcher un peu de poisson. Mais c'est tout, pas plus que ça. C'est une bonne citoyenne, fabriquée sur pour ouvrir le menu de fabrication, fabriquer un outil en pierre depuis le menu de fabrication. Ok, donc vous voyez qu'on a des objectifs en haut à gauche. Du coup, je mettrai ma caméra en haut à droite. En tout cas, on est atterri sur une petite île qui m'a l'air vraiment très sympatoche. Avec un petit bateau là-bas à visiter, avec un autre petit bateau à côté à visiter, et très certainement un autre petit bateau juste ici. D'ailleurs, il y a le mât qui dépasse de l'océan. Ça pique ça. Non? Ah oui, ça pique! Quel con! Je voulais essayer, tu sais, c'est comme un gamin qui voit un cactus, et puis pour être sûr que ça pique, il pose le doigt dessus. Ouais, effectivement, ça pique. Alors, comment qu'on fait déjà pour voir sa montre? Je ne sais plus. C'est F. SPF, c'est quoi? C'est nouveau, ça? En tout cas, ça descend à une vitesse. Je vous raconte même pas. On va se dépêcher! Oh, Fifi? C'est toi? Oh non, c'est pas ma Fifi, ça. Non, c'est pas elle. J'ai besoin de me rafraîchir. Ah bon? Mais comment ça, t'as besoin de te rafraîchir? Ah, faut peut-être aller dans l'eau. T'es rafraîchi là ou comment ça se passe? Ah ouais mon gars. Putain c'est nouveau. Eh ben va y avoir ça en plus à gérer les mecs. Ah ben on n'est pas sorti moi je vous le dis. Il y avait pas ça avant hein. Ça pique ça. Il faut encore retourner dessus, c'est pas le même. Ça a pas l'air d'être le même. Peut-être que ça pique pas celui-là. Non il a pas l'air de piquer. Oh là là il y a des petits crabes et tout. C'est... Oh what? C'est toi qui m'as fait ça gros? Oh j'ai plus de place. Déjà pour commencer... Il faudrait qu'on trouve un emplacement où construire notre petite cabane. Eh oui, pour commencer, bien entendu. Par là, c'est plutôt pas mal. Alors, attendez, on va poser un petit peu tout ce qu'on a. Voilà, on fait le bilan, calmement. Ça vous rend bien chaque instant. Des fleurs, du papier, des planches de bois, encore des fleurs. Et ma rame. Bon, c'est un petit peu le bordel, hein. Comme d'habitude, ça a pas changé. T'as ma Fifi ! Non, c'est pas elle. Oh, c'est gracieuse. Je la reconnaîtrai parmi mille. Bon, va falloir qu'on trouve des planches de bois, les mecs. Ok, tac, 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 c'est nickel. Ouh là là. Un bâton et de la corde. Oh, il nous faut de la corde, c'est vrai. Ah oui, et pour faire de la corde, il nous faut du yuzu, il me semble. Alors déjà, attends, on va se faire un petit... Voilà, un petit rocher comme ça, déverrouillé, c'est nickel. On va ramasser un petit peu de palmiers.
Voilà. Parce que ça, il va nous en falloir pour faire de la corde, en fait. Yes, nickel. Et franchement, le jeu est super beau. Moi, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le redémarre, j'ai l'impression qu'ils améliorent les graphismes. Je sais pas ce que vous en pensez. Par contre, j'avais pas vu ça. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a l'air d'avoir pas mal de palmiers sur notre petite île. Donc ça, c'est cool. Ouh, et puis ça aussi, je l'avais pas vu, l'espèce de tôle, là. Bien sûr, toujours, tant qu'on ramasse un petit peu de palmiers, j'en profite pour vous dire que si vous voulez soutenir la chaîne et acheter Stranded Deep par la même occasion, vous pouvez passer par le petit lien G2A qui se trouve dans la description. En utilisant le code JOLAT à la fin de votre achat, vous faites des économies. Et puis moi, ça me soutient d'un autre côté. Ah, du Yuka, voilà, c'était ça. Rien à voir avec le Yuzu. Ouh, yes, du Kwawa. Yuka, Yuka. Perfect! Et c'est un truc de ouf parce que regardez, ça commence déjà à faire nuit. Non mais laisse tomber mon gars, on va jamais s'en sortir. Je vais voir ma montre. Ah bah oui, puis là je suis bien rafraîchi, tu m'étonnes. Donc déjà, on va se faire un petit peu de ficelle. Voilà, ça c'est fait. Normalement, j'ai ce qu'il faut dans mon inventaire. On a 3 ficelles. Putain, le soleil se couche à une vitesse. C'est tellement beau mon gars. Mais Stranded Deep, c'est un jeu qui est super beau de toute façon. En termes de jeux de survie, aquatique et tout, petites îles, fonds marins, ça reste un de mes jeux de survie préférés, vraiment. Bon, je vous l'annonce, ça fait déjà un petit moment que je suis en train de farfouiller partout sur mon île. Et j'ai trouvé quelques trucs quand même. Par contre, je dois tuer un crabe et j'en trouve pas. Alors la journée, il y en avait plein, la nuit, j'en trouve plus aucun quoi. Écoutez, vous savez quoi? On va aller fouiller un bateau. En espérant qu'il n'y ait pas un requin qui va m'attaquer. Putain, je vois rien mon vieux. Allez, vas-y, monte. Yes! Ah ouais, carrément. Ouh! Eh hey, mais écoutez, franchement, mais ça démarre super fort sur cette île. On va prendre ça, les ballons de sauvetage. Normalement, voilà, yes, récolte, c'est parfait. Par contre, hop, 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 hop. Non, 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 non. Oh, viens ici. Il y en a un qui se fait la malle. Tu reviens par là. Je me dépêche de monter parce que je suis sûr qu'il va y avoir un requin dans le coin. Voilà, hop, nickel. Fais voir un petit peu ce qui me reste. Ouais, il reste de la place. Ah, et puis c'est cool, ça se cumule. Il me semblait pas que ça se cumulait avant les ballons de sauvetage comme ça. Alors je trouve que la nuit, on voit pas spécialement grand chose. Alors pour le bien de la vidéo, bien évidemment, vous sur la capture, j'ai augmenté les gammas. Mais moi, quand je regarde mon retour et mon jeu, je vous assure qu'on voit bien plus clair sur le retour. C'est pour ça que moi, je vois pas grand chose. Oh, c'était quoi ça? D'accord, c'était peut-être pas grand chose. Oh, une armoire. On sait qu'il y a des trucs bien qui se cachent dans les armoires par moment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Marteau, boussole. Oh, ça commence très très bien. Mais cette aventure débute sur les chapeaux de roue, dites-moi. C'est vraiment excellent, quoi. Niveau supérieur, physique. Donc les niveaux supérieurs, bien sûr, ça va se passer ici. Ok, terrible, terrible. On a un étage. Avant d'aller à l'étage, je vais un petit peu... Oh, regardez, on a une porte. Bah, ça, en fait, c'est la porte par où je suis rentré. Tout simplement. Ok, d'accord. Pas grand-chose par ici. Je pense qu'on va aller monter à l'étage. Et nous voici dans la cabine du capitaine. Une porte? On peut la récupérer? Non. Allez, rincez sa porte. Attendez, je peux peut-être... Alors, je fais gaffe parce que... Oh, putain, je l'ai cassé, mon gars. Mais j'ai rien récupéré. Je fais gaffe parce que je sais que les outils, ils s'usent. Hein. D'ailleurs, ça manque une petite barre pour savoir à combien on est ou quoi. Mais je sais qu'au bout d'un moment, il fallait en recrafter et tout. Oh là là. Et franchement, on se met bien. On va pouvoir faire un radeau de compète dès le début, mon gars. Pouf, ça va être terrible, quoi. Niveau supérieur en récolte. Yes! Un petit côté RPG dorénavant sous Stranded Deep. Ça fait plutôt plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on a? La cabine du capitaine, je pense qu'on l'a retournée. Hein. Allez, on a une porte ici... Ah, non, 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 on l'a pas retourné totalement, mon gars. Yes, pistolet fusée. Ouh là 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 là, pièce de gyrocoptère déjà. Ah merde, j'ai plus de place. C'est pas grave, c'est pas grave. On va revenir sur l'île. Alors, on va faire le tri après, bien entendu. Hein. Allez, c'est parti, mon gars. Oula, oula. Voilà, nickel. Bon, c'est le bordel. C'est le bordel. J'allais dire, c'est à peu près bien rangé, mais... On peut pas vraiment dire ça, quoi. Un truc de fusée éclairante. Oh, ça, ça va être délire pour pêcher. Et bien sûr, une boussole. Bon, on va retourner au bateau. On va voir un petit peu ce qu'on a oublié. Parce que je sais qu'on en a oublié. Surtout qu'il y a encore un autre bateau à côté. Et puis encore un autre là-bas. Ce que j'aimerais bien, c'est que ça fasse jour. Oh, ça va pas tarder à faire jour. 4h30. Oh là là, regardez ça comment... Pff. Comment c'est stylé. Ouais, allez, vas-y. Oh, putain. Non. Vous avez vu ce que j'ai vu? J'ai vu un aileron. Putain, mon vieux, les manœuvres avec le bateau, c'est pas toujours évident, hein. Oh là là, regardez-moi ça. Ce lever de soleil, magnifique, quoi. Allez, nous y voilà, impeccable. Et la bonne nouvelle, c'est que vu que ça commence à faire jour, on va très certainement recroiser des crabes. Par contre, voilà, tu vois, hein, j'ai assez d'expérience des radeaux qui se barrent. Donc, tu vas monter là-dessus. Il devrait tenir le choc. Par contre... Je dois trouver de l'eau. Enfin, c'est pas que je veux pas, mais... Moi, je veux bien. Attendez, on a une cale ici, là.
Ah bah voyez, je l'avais pas vue celle-ci de nuit. Je ne l'avais pas vue. Alors on va voir. Par contre, faut que je fasse très attention. Oh là 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 là. Non 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 non. Non 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 non. Je suis pas équipé pour aller là-dedans. Je ne suis pas équipé pour aller là-dedans. Ça m'a l'air bien trop profond. Ce paquebot m'a l'air beaucoup trop profond pour le moment. Par contre, est-ce qu'il y a moyen de monter là-haut? Oui, bien sûr qu'il y a moyen. Yes, c'est nickel. Ah bah voilà. Là, on voit déjà un peu plus clair. Tu vois, regarde, j'aurais oublié celle d'à côté. En plus. Hop, les pièces de Girorou qu'on n'avait pas pu récupérer tout à l'heure. Mais mon gars, mais c'est pas possible. Mais il m'offre tout sur ce début de partie. Ça y est, je vais finir le jeu ici, moi. C'est un truc de ouf. Mais ça commence extrêmement bien, les mecs. Ouais, putain, j'aurais bien aimé aller visiter ce qu'il y a dans les cales, là, mais... Je sais pas pourquoi, je sens que je vais me noyer. Ah, ça, par contre. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ça se casse, ça? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Alors, faut surtout que je fasse gaffe aux requins. Surtout, surtout faire gaffe aux requins. Ah oui, c'est vrai, putain, on peut ramasser des coffres. J'avais zappé ça. Oh, je suis plein. Attends, je sais, j'avais une technique, normalement, dans le temps. Dans le temps. Comme si ça faisait 15 ans, quoi. Voilà, la technique, c'est ça. C'est poser le coffre et c'est mettre des objets dedans. Ah, c'est une technique qui marche plus. Merde. Ça marche un peu quand ça veut. Oh, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Yes. Ah, j'ai plus de place déjà. Bon, on retourne au radeau. Vous voyez, il a pas bougé. C'est nickel. Oh, il y a le requin. Il y a le requin juste à côté, mon gars. Ouh là 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 là. Ouh, jour survécu 1. On arrête de fouiller le bateau, les mecs. On va se concentrer sur l'objectif. Parce que sinon, je vais jamais y arriver. Allez, vas-y, viens ici. Voilà, on le remonte sur la plage. Tu veux voir ce que ça dit, là? Ah, oh, je suis dans la merde. Vas-y, j'arrête de fouiller le bateau et tout. Pour l'instant, c'est pas l'objectif principal, quoi, tu vois. Parce que certes, je suis en train de me gaver d'items et tout, mais en fait, j'ai soif. On va faire l'objectif, on va trouver un crabe. Ah bah voilà! Eh bien, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, j'ai l'honneur de vous annoncer que nous allons dégommer notre premier crabe. Et tiens, je vais en prendre deux pour fêter ça. Oh l'enfoiré! Oh, comment il m'a mis mal! Bon, ok, dépecer le crabe en utilisant le couteau perfectionné. D'accord, d'abord, je le ramène au camp. Oui, on peut pas appeler ça vraiment une base, hein. On va plutôt appeler ça un camp. Un camp de quoi? Je ne sais pas encore, je cherche. Mais c'est un camp. Allez, on va dépecer le crabe. E pour dépecer. Ah ouais, mon gars. Oh, gross. Putain, le jour où tu sortiras des steaks comme ça sur un crabe... C'est chaud quand même. Allumez le feu de camp en utilisant le petit bois. Alors attends, normalement j'ai du petit bois. Oui, j'en ai là, je le ramasse. Ça c'est un feu de camp. Voilà, on va le poser. On va le poser là. Voilà, tu vois, ce sera par ici ma base. Hop, maintenant on utilise le petit bois. J'allume. Ah, faut faire clic gauche, clic droit. Clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Ah ok, d'accord. Ah ouais, faut aller vite mon gars. Putain, ça a changé Stranded Deep. Oh, c'est excellent. Faites cuire la viande de crabe en l'attachant au feu de camp. Maintenir pour attacher. Quel couillon, va. J'ai éteint le feu. Pff, merde. Allez, je recommence. Je suis en train d'allumer le sable, là, non? Oh non, je suis en train d'allumer le feu de camp. Ah, je peux en mettre qu'un? Ah oui, ok, vu que ça doit être un petit feu de camp, tu peux en mettre qu'une. Mais vous savez que par la suite, on va pouvoir faire des feux de camp améliorés et tout avec des pierres. Enfin, ça va être la folie, mon gars. Frappez la noix de coco. Ah bah voilà! C'est avec les noix de coco que je peux boire. Putain, heureusement que j'ai le tuto, mon vieux. Vas-y, déjà, on va boire. Voilà. Yes. Fais voir, j'en suis où? Ah oui, j'ai grand soif. Alors. Voilà. Ok, celle-là, on la jette. Ok, et celle-là, on la jette. Voilà. Ah, abattez un palmier avec une hache et couper les feuilles de palmier. En tout cas, on peut crafter la hache maintenant. Yes, putain, j'ai cru que je pouvais pas, mon gars. Voilà. Alors, on va abattre un palmier. Et je pense que... Alors, les palmiers noix de coco, on va les laisser tranquilles. Je pense qu'on va abattre celui-ci dans un premier temps. Voilà, en plus, il va me gêner un petit peu. Ah ouais, c'est vrai quand même. J'avais oublié à quel point c'était long de couper un palmier dans Stranded Deep. Très long. Voilà. Maintenant, on va devoir couper le tronc en deux. Ensuite, on va récupérer les feuilles. Ah, c'est extrêmement long avec cette hache, hein. Voilà, le tronc, il est coupé. Il est séparé des feuilles. On va devoir récupérer le bois en farmant comme ça sur le tronc. Et on va pouvoir récupérer les feuilles comme ceci. Voilà. Yes. On récupère tout ça. Le bois, machin nana, quoi que tu me diras, j'aurais pu tout laisser par terre. Fabriquer un abri pour que vous puissiez dormir et sauvegarder votre progression. Ah oui, ça c'est cool. Ah ouais, putain, mais ça a changé Stranded Deep, mon gars. Mais c'est excellent, quoi. 4 feuilles, une corde. Les 4 feuilles de palmier, gros, je les ai pas sur moi. Ah, les 4 feuilles de palmier, je les ai, hein. Clairement. Ah non, ok, d'accord, oui, c'est la corde qui me manque, en fait. Voilà, mon gars. Et là, l'aventure va pouvoir commencer, les mecs. J'ai besoin de me rafraîchir, on va y aller. Mais d'abord, je vais dormir. Non, juste sauvegarder.
Voilà, juste sauvegarder, ça ira. Oh là là, et ça commence bien. Ça commence bien. Est-ce qu'on peut la déplacer? Non, on peut plus. Mince, parce que j'aurais voulu la mettre un tout petit peu plus loin, tu vois. Parce que là, mes feuilles de palmier, elles vont prendre feu dans 2 secondes. Bon, alors, on va se rafraîchir. Ah, j'ai encore soif, hein. Ah, j'ai encore soif. Et j'ai faim. Oh, mon bout de crabe, il est peut-être bien cuit, là, mon gars. Attends, appuie sur E pour ramasser. Bah oui, tu m'étonnes. Voilà. Voilà, yes. What? Il était pas assez cuit? Insolation, empoisonnement, déshydratation. Oh, y a rien qui va, les mecs. Je vais tout de suite me mettre à l'eau pour me rafraîchir. Donc, les prochains objectifs, ça va être de fabriquer un distillateur d'eau, de remplir le distillateur d'eau avec des feuilles fibreuses ou des feuilles de palmier, et de boire l'eau qui va être récupérée avec ce distillateur. Très bien, on va se rafraîchir un petit peu. Voilà, comme ça, en même temps que je me rafraîchis, bah, je peux partir à la pêche, tu vois. Par exemple, lui, là. Voilà, tu vois. Bah, ça, c'est pas mal, ça. Ça doit être délicieux, ça. Hein? Ça doit pas être mauvais. Oh, poisson lion, je sais que... Oh, une raie, mon gars. Poisson lion, je sais que ça, ça t'empoisonne. Mais est-ce que tu peux les manger? Écoutez, on va tenter de le pêcher. Oh, je l'ai eu, mon gars. Super. Poisson archer, yes. Ok. Ouais, en fait, que ce soit un poisson lion ou quoi que ce soit, c'est juste que tu ramasses un poisson, quoi. Putain, je suis en train de me noyer. Maintenir E pour dépecer. Ouais. Qu'est-ce qu'il est en train de dépecer, là? Ok. Ah, d'accord. Mais oui. D'accord. Faut les dépecer, en fait. Voilà. Maintenant, on va pouvoir... Ah, putain, par contre, je peux en mettre qu'un à chaque fois, quoi. Ah, ça va être la misère, les mecs. Ça va être la misère. Ça va être la misère. J'ai super faim. J'ai super soif. On va aller prendre 2-3 noix de coco. J'avais oublié à quel point c'était la galère pour se substanter dans Stranded Deep. Déjà, on va manger les noix de coco. Voilà. Ceux-là, on les a déjà bu. Bon, en principe, il y en a d'autres sur l'île à ramasser. Voilà. Déjà, ça va nous dépanner. Dans un premier temps. Hop. Voilà. Voilà, fais voir ce que ça donne. Ouais, plus ou moins. Pas tant que ça, mon gars. Putain, j'ai l'impression que j'ai rien récupéré, gros. Ah, voilà. Ça, c'est pas mal. Allez, vas-y. Fais péter les noix de coco. Comment tu sais, par contre, si ton poisson, il est cuit au bout d'un moment? On va aller voir ça. Et voilà. On va pouvoir boire un coup. Voilà. Celle-là, c'est bon. What the fuck? Marie-Madeleine. C'est moi qui a fait ça? Bon, bah sûrement, je dois trouver de l'eau. Bah ouais, mais bon, moi je bois de la noix de coco. Hein. Oui, c'est vrai que ça donne un petit peu la chiasse, la noix de coco. Tu vois, faut pas en abuser, quoi. Eh ouais, mon gars, c'est ça la vie d'aventurier. La liberté, la mer, le bruit des vagues. Au final, l'aventure, c'est quoi? Un feu de camp, une petite hutte, une guitare, un bout de poisson qui cuit sur ta branche. Bon, écoutez les mecs, en tout cas, on va se laisser ici pour notre premier épisode sur notre grande survie qui débute sur Stranded Deep. Donc j'espère vraiment que vous serez nombreux et nombreuses à la suivre. Et bien sûr, à laisser un petit pouce bleu sous la vidéo si celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. C'est très important. Activez la petite cloche. Nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao tout le monde. Bye bye. Ah, vous voyez, c'est cuit en fait.